La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente « Prendre soin de vous ». Moi, j'ai décidé d'être médecin de famille d'abord parce que j'aime beaucoup la relation patient-médecin. C'est très valorisant. Je travaille avec des clientèles qui sont aux prises avec la dépendance ou encore qui souffrent du VIH ou de l'hépatite C. Ma clinique, c'est une petite maison, là. C'est vraiment comme un petit foyer où les gens viennent chercher leurs soins, puis il faut qu'ils soient à l'aise de venir me voir. Il faut qu'ils s'identifient à leur lieu de soins. Et on peut dire que comme médecin de famille avec ces clientèles-là, je suis un peu comme leur ancre, là. Je suis un point d'ancrage. Je trouve toujours que ça vaut la peine de me battre pour mes patients. Ils sont très importants pour moi. Jamais, jamais je lâcherai, j'abandonnerai ce que je fais pour faire autre chose, là. Je suis un médecin engagé envers mes patients, puis je suis engagée dans le réseau aussi, dans la société, finalement, là, pour donner des meilleurs soins. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté « Prendre soin de vous ». Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins.